Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler d'actualité qui reste marquée par la libération provisoire accordée au conseiller spécial de Moïse Katumbi. Il s'agit de messieurs Salomon Idi Kalondade, qui a été arrêté depuis le 30 mai 2023, placé en garde à vue au niveau de la DEMIAP, transféré par après à la prison militaire de Ndolo, où il est tombé, où il était tombé malade. Il est gravement souffrant jusqu'à ce jour d'ailleurs, et sa mise en liberté provisoire, c'est justement pour lui permettre de se faire soigner. Nous continuons de suivre de près ces dossiers. L'actualité, c'est aussi les travaux de rénovation de l'aéroport international d'Ndjili qui sont confiés à une entreprise turque qui va donc devoir gérer l'aéroport pendant 3 décennies, selon ce que nous apprenons des sources concordantes. Pourquoi céder l'aéroport entre les mains des expatriés alors qu'il s'agit d'un domaine de souveraineté? Nous en parlerons également dans cette émission. Puis on ne va pas oublier les tractations pour la formation du prochain gouvernement. Aux dernières nouvelles, l'informateur Augustin Kabuya a bouclé complètement son travail et le dépôt du rapport final de son travail est annoncé dans les prochaines heures sur la table du président de la République. Sur ce plateau, je reçois Marley Vouvou, avec qui nous allons devoir décortiquer toutes ces questions. Bienvenue. Merci cher Hervé, merci à tous les fidèles téléspectateurs, mais permettez-moi de faire un tour vers la prison centrale de Makala pour parler de Mike Moukeba Nkosso, un autre oublié de la lutte. Un autre soldat de la liberté oublié. Ça fait presque une année, le 21 mai de cette année, Moukeba totalisera une année, jour pour jour, donc 365 jours, à la prison centrale de Makala, sans être devant ses juges naturels. Or, le dossier au niveau des pénales requiert la célérité. Mais je me pose la question, pourquoi Moukeba est toujours gardé en prison, sans procès, sans savoir pourquoi il est là? Or, la Constitution stipule clairement, toute personne arrêtée ou interpellée doit être informée immédiatement des motifs de son interpellation. Mais pourquoi Moukeba, ça fait une année? Ça fait une année sans jugement. De l'autre côté, nous apprenons que les dossiers tels qu'ils étaient ficelés par le parquet, montés de toutes pièces, on ne trouve rien comme infraction. Moi, j'estime que nous allons conclure que l'infraction pour laquelle Moukeba est arrêté, c'est qu'on lui reproche comment un Kansaïen peut s'opposer au pouvoir d'un Kansaïen. Parce que s'il y avait une infraction, par le principe de célérité qui requiert les dossiers au niveau du pénal, Moukeba aurait déjà été informé de son sort. Ça fait une année. On soutient des jours de vie d'un père de famille, d'un responsable, d'un combattant. Moukeba a une partie des Congolais qui croient à son combat. Ces Congolais aujourd'hui sont pauvres. Ils ne savent plus à qui se confier. Parce qu'ils faisaient confiance à Moukeba. Moukeba est gardé en prison. Je prends aussi le cas Jean-Marc Kaboun. J'ai attendu le premier président de la Cour de cassation. Parce que lui, c'est le patron des cours et des tribunaux. Je l'ai attendu dire, toute personne arrêtée abusivement, donc il reconnaît qu'il y a un problème. Il y a un problème sérieux en termes d'administration de la justice. Il dit que ces gens-là doivent être relâchés. Ils vont être relâchés, oui. Mais Jean-Marc Kaboun, qui n'a jamais été notifié, il n'a jamais vu l'arrêt lui condamnant. Cet arrêt n'existe même pas. J'ai demandé à tout le monde d'aller faire un tour au secrétariat de la cour de cassation. Il n'y a pas un jugement condamnant Jean-Marc Kaboun. Aux dernières nouvelles, on dirait que l'arrêt condamnant Jean-Marc Kaboun a quitté la cour de cassation pour l'ANR. C'est-à-dire? Je ne sais pas. Je n'ai pas. Je suis devenu handicapé intellectuellement sur cette question. La question de Jean-Marc Kaboun me rend handicapé intellectuel. On prend un arrêt condamnant un citoyen et l'arrêt quitte la juridiction pour les renseignements. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Alors, si le président, le premier président de la Cour de cassation, il s'estime être sérieux, la première personne à être dehors s'appelle Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Dès lors aussi que les déclarations, les révélations faites par Jean-Marc Kaboun,
s'est avéré vrai. Nous avons vu une majorité mécanique aujourd'hui. Nous avons subi un procès électoral biaisé du début à la fin, une élection, un scrutin organisé 7 jours, 8 jours, là où la loi parle d'une journée. Donc Jean-Marc Aboun avait raison. Alors comment nous sommes dans un état sérieux où on peut arrêter des citoyens parce qu'ils ont raison? Voilà les conditions carcérales aussi, parce que je ne peux pas parler seulement de Moukeba et de Jean-Marc Aboun. Les autres Congolais payent aussi les prix. Exactement. Il y a même Moujakira qui nous a révélé qu'il y a un monsieur qui a fait 21 ans sans être devant ses juges. Jugement. Ça dit, sans être devant ses juges, ça veut dire qu'il n'y a même pas eu chambre de conseil pour lui, pour confirmer ne fût-ce que, ne serait-ce que sa détention. Je vous dis, la prison de Makala a aujourd'hui une prison construite pour une capacité d'accueil de 1500 individus. Aujourd'hui, la prison est à 14 000, 15 000 individus. Et vous voyez les surpeuplements. Je prends par exemple le pavillon 10 mineurs. Ce pavillon 10 mineurs a été construit pour 62 mineurs. Aujourd'hui, ils sont à 748. Ils sont à 748. Ces enfants n'ont ni lit ni habit. Est-ce que les autorités sont au courant de tout ça? Est-ce que la question d'abord... Est-ce que la ministre de la Justice est au courant le ministre de, ou informé de cette situation? Le ministre des Droits humains. Que fait les ONG des droits de l'homme? Les droits de l'homme, il ne faut pas attendre qu'une fille soit violée. Ça aussi, c'est un droit qu'il faut défendre. À la prison de Makala, chaque jour, s'il y a moins, si c'est minimum, si c'est dans le minimum, c'est 3 morts. Chaque jour, j'ai dit. Je dis bien chaque jour. Les gens meurent pourquoi? La malnutrition et de mauvaises conditions carcérales. Il y a même des gens qu'on a surnommés des moribonds. Vous allez en prison, vous les regardez, vous dites vous-même, en sortant d'ici, tous ces gens vont mourir. Il n'y a pas une pharmacie à la prison centrale de Makala. Il n'y a pas une pharmacie. Il faut que l'église La Borne vienne faire un don des produits pharmaceutiques, telle église, avec des dons, vous ne pouvez pas gérer une institution, c'est toute une institution. Mais est-ce qu'il n'y a pas une politique carcérale clairement définie? Il n'y en a pas. Si à Kinshasa, où toutes les autorités sont présentes, qu'en est-il des prisons telles que Angenga, en pleine forêt équatoriale? Donc là, c'est vraiment, les prisons, les maisons carcérales au Congo, ce sont des véritables couloirs de la mort. Si vous avez un frère, une sœur qui est allée en prison et rentrée en bonne santé, il faut que vous dites que faut dire que votre famille est gauche des évangélistes et des pasteurs. Au Congo, vous entrez en prison, vous ne sortez pas vivant. Très bien. Ce sont des couloirs de la mort. Allez voir, on me dit, j'ai attendu un ancien prisonnier, Barnabé Milingan, dire que le prisonnier mange quand même bien aujourd'hui. Ce n'est pas la marque de la nourriture qui fait que le prisonnier soit en bonne santé. Mais les conditions de la préparation de cette nourriture. J'avais demandé à Barnabé Milingano de prendre un de ses enfants, de l'amener comme visite en prison, et qu'on donne la nourriture préparée à la prison à son enfant si Barnabé Milingano va accepter. Déjà, les conditions avec lesquelles la cuisine de la prison centrale de Makala fonctionne, mon cher Hervé, moi je suis un ancien prisonnier, c'est vous moulez là, on vous sert aujourd'hui. Vous mettez le couvercle, vous ouvrez demain matin, cette salle, nous allons tous fuir. C'est ce que je vous dis. Contactez tous les prisonniers. Nous allons fuir ici. On ne va plus respirer. Alors, des nourritures comme ça, c'est ce qu'on donne à nos compatriotes. Mal préparés, mal organisés. Qui sont des médecins ou des infirmiers de la prison centrale de Makala? Ce sont des prisonniers. Un gars torturé moralement, mentalement, parce qu'il est privé de sa liberté. Comme il a fait la sas infirmière, on le prend, il commence à soigner d'autres. Lui-même n'a pas la morale. Merci beaucoup. On va évoluer. On reste toujours dans l'évolution pour parler cette fois-ci de la liberté provisoire accordée à Salomo Idi Kalonda Dela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, qui a été arrêté, comme je le disais à l'entame de cette émission, au tarmac de l'aéroport international d'Njili, alors qu'il s'apprêtait à prendre son avion vers Lubumbashi. C'était un 30 mai, je pense que c'était un lundi ou mardi. Il a passé pratiquement une année en prison.
dans des conditions très difficiles. Il est tombé malade, empêché de se faire soigner malgré les différents rapports médicaux élaborés par les médecins. Et finalement, il vient de bénéficier d'une liberté provisoire. Est-ce que vous pensez que cette liberté provisoire vient mettre fin à des poursuites contre ces conseillers spéciaux de Moïse Katumbi? Vous pensez que c'est la décrispation politique qui commence à voir le jour? La décrispation politique passe par le respect de la souveraineté de tout un peuple. Pour qu'il y ait décrispation, tu sais qu'il doit accepter qu'il a volé la victoire de Moïse Katumbi. Ça, nous ne cesserons jamais de le réclamer. Il a volé la victoire de Moïse Katumbi. Et la décrispation passe par la vérité. La libération provisoire de Salomon Kalonda est le fruit de la résistance. Parce que aujourd'hui, aucun juge, aucun procureur serait capable de nous dire pourquoi Salomon était arrêté. D'ailleurs, nous appelons mal les termes arrêté. Salomon a été enlevé. Parce que ce n'est pas ça la procédure voulue pour interpeller ou arrêter un citoyen. Salomon a été cueilli au pied de l'avion comme un malfrant. Or, c'est un gars connu, ses résidences connues, la preuve, il y a eu des perquisitions. C'est-à-dire que ses résidences étaient connues. Donc, il y avait tous les moyens pour que Salomon soit invité ou arrêté dignement. Mais il a été humilié. Déjà, lorsque la forme est biaisée, le fond ne tient plus. Déjà, la manière dont Salomon a été enlevé, ça ne nous pousse pas à dire que la justice a fait son travail. Parce qu'en droit, vous attendez le juge dire votre requête est recevable et non fondée. Non fondée pourquoi? Parce que la forme ne répond pas. Or, la forme de l'enlèvement de Salomon ne répond pas à un procès dans un pays sérieux. Donc, déjà, Salomon n'était plus justiciable parce que la justice elle-même avait violé ses propres principes. Or, un juge, un OPJ, est soumis à l'autorité de la loi pendant l'exercice de son travail. Deuxième élément, Salomon a obtenu la liberté provisoire. Cette liberté provisoire, le caractère provisoire répond à quelle infraction? Parce que vous êtes journaliste, toutes les infractions évoquées par la DEMIAP, aujourd'hui, toutes ces infractions ont été effacées par la cour militaire. Donc, il n'y avait plus aucune raison valable à que Salomon soit poursuivi. Mais l'infraction divulgation des secrets de défense en temps de guerre a été retenue. Mais ça, c'est très grave alors. C'est là que je continuerai à insister. Tu sais qu'il doit nous dire de quelle maladie souffre notre justice pour chercher la véritable thérapie. Parce que quand le président dit la justice est malade, ça veut dire qu'il y a eu diagnostic. Mais quelle est la thérapie maintenant? Un homme militaire peut-il commettre une telle infraction? Tout de suite, je vous dis non. Pour qu'un civil soit poursuivi pour une telle infraction, on doit le suivre en complicité avec des militaires. Ok? Or, Salomon, pendant une année, ni la DEMIAP, ni le tribunal militaire ont été capables de démontrer que Salomon était en relation ou en corrélation avec un militaire, un haut gradé de l'armée, qui intervient d'ailleurs dans le champ de commandement. Donc, pour que moi, Marley, ou vous, Hervé, vous soyez arrêté pour une telle infraction, il faut qu'un militaire haut gradé qui intervient dans la chaîne de commandement vous soit arrêté et vous cite votre nom. Parce que tout militaire ne peut pas commettre cette infraction. Général soit-il, celle habilité à être poursuivi pour une telle infraction, pour l'infraction de divulgation des secrets de défense, doit intervenir dans la chaîne des commandements. Est-ce que tout généraux intervient dans la chaîne des commandements? Non. Si tout généraux ne peut pas être poursuivi pour l'infraction de divulgation des secrets de défense, comment autant plus un civil? Vous voyez vous-même, même l'infraction pour laquelle on a fabriqué contre Salomon Kalonda ne tient pas. Et vous allez remarquer, c'est le ministère public qui sollicitait des remises. Parce que le ministère public était mis dans l'incapacité d'asseoir les accusations parce que l'infraction était créée. Et pourquoi? C'est là que j'ai toujours dit la justice n'est pas malade. Parce que lorsque les services arrêtent pour le plaisir d'arrêter ou pour faire plaisir à un individu ou à un groupe d'individus,
C'est ces services qui mettent la justice, l'appareil judiciaire en difficulté. Il faut soigner l'image de l'institution, du service de sécurité. Il faut soigner l'image. Vous ne pouvez pas désacraliser les services de sécurité. Ce sont des grands services dans un État sérieux. Alors comment faire? Il faut sacrifier les citoyens, soigner l'image des services de renseignement. Alors les juges ou le procureur est dans l'obligation de créer une infraction. Mais pourquoi vous ne saluez pas Nefuski, le geste posé par la justice? J'ai dit, je suis à moitié satisfait. Parce que Salomon est sorti. Mais Salomon, on n'a pas encore diagnostiqué Salomon. On ne peut pas être satisfait pendant que quelqu'un a failli mourir en prison, en état très sérieusement malade. On a résisté. Ils ont refusé de le libérer. Ils ont tendu que les choses soient pourries. Ils ont résisté même aux contre-expertises voulues par eux-mêmes. Je vais vous faire une révélation. Le président de la République avait envoyé ses propres médecins. Ça fait 6 mois que le président de la République était au courant que son frère Salomon était en train de mourir. Est-ce que Salomon sera finalement autorisé à aller se faire soigner conformément au rapport médical qui a été par les médecins? Voilà là où j'ai dit, je suis à 40% ou à moitié satisfait. Parce que le reste est dur, la vie humaine. Étant sacré, on doit se préoccuper plus aujourd'hui de sa santé. On peut nous libérer un moribond. Et aujourd'hui, vous fêtez, demain, il perd la vie. La politique, elle est ce qu'elle est. C'est un monde de gourous. Ok? C'est un monde de gourous. Moi, je ne peux pas être dans la joie parce que Salomon a obtenu la liberté provisoire. Mais j'aimerais être dans la joie quand je verrai Salomon en bonne santé, récupérer toutes ses aptitudes physiques et mentales. C'est là que je serai dans la joie. Raison pour laquelle, lorsque les gens publiaient, criaient hier, moi, je m'étais vraiment abstenu de crier, de festoyer, de crier, parce que ce n'est pas... C'est une victoire à moitié. La grande victoire, c'est sa vie, c'est sa santé. C'est ça, la grande victoire. Et attention, on peut nous libérer quelqu'un déjà travaillé et de peur que le procès, le même problème de Chérubin, puisse continuer, que Salomon puisse mourir entre leurs mains, on le libère provisoirement sous prétexte qu'il aille se faire soigner. Vous avez vu, vous lire aussi ce que cette note de liberté provisoire. Est-ce qu'on lui a accordé cette liberté provisoire en respectant également les contre-expertises comme voulait le médecin, qu'il aille se soigner à Bruxelles, là où il y a un plateau adapté pouvant l'opérer? Est-ce qu'ils vont l'accepter? C'est ça la grande question. Voilà. Alors moi, à un homme averti, je me réserve d'être dans la joie. Très bien. Avant de voir la réaction de Maître Laurent Onyemba, mais aussi de la cour militaire, une autre question. J'y reviens d'ailleurs sur ma première question. Est-ce que le président de la République vient-il de planter le décor pour décrisper le climat politique à travers la libération de Salomon? On ne peut pas résumer le climat politique à Salomon Kalonda. On ne peut pas prendre la vie des innocents et utiliser ça comme élément de chantage. Si tu sais qu'il a besoin de décrisper le climat politique, il connaît là où habite Katumbi, il connaît là où habite Fayulu, il connaît là où habite Denis Mukwege, il connaît les organisations de société civile telles que les églises catholiques, protestantes et autres. Ok? La décrispation politique, c'est aussi arrêter de frustrer la société. Le partage équitable des revenus nationaux. Lorsque le président de la République vous dit qu'il veut décrisper la situation, mais le peuple est asphyxié, même si vous mettez autour du même table Katumbi, Fayulu, Mukwege, Muzitu, entre guillemets, des leaders et le régime, ça ne va pas décrisper parce que le peuple est asphyxié. Ok? Parce que je ne vois pas après cette discussion, Katumbi dira quoi aux Congolais? Que votre souffrance est finie? Il y a un problème. Pendant ces temps, tu serais de continuer à donner du travail à ses amis. Ce n'est pas ça la décrispation. La décrispation, c'est aussi assainir l'assiette publique. Ok? Que le peuple, faut pas résumer les questions de l'État, la décrispation du climat social. Parce qu'on parle plus de la politique, mais c'est la décrispation du climat social. Il ne faut pas les résumer qu'aux 4-5 individus, les Congo a 5 millions d'individus. Le Congo a 100 millions d'individus. Et moi, je serais très mal à l'aise si Katumbi accepterait
d'aller s'asseoir avec Tshisekedi. Mais est-ce que le président vous a dit qu'il avait besoin d'initier une table ronde avec non. les autres acteurs politiques? D'abord, Tshisekedi sera très mal à l'aise d'initier une telle action, parce qu'il n'est pas habilité à l'initier, parce que c'est lui le créateur de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il a créé quoi? Qui nous a amené les M23? Qui a administré le M23 le 20 novembre 2019 par Claude Ibalaki? La lettre de Claude Ibalaki à l'auditeur supérieur de l'armée. Vous commencez à mélanger les tout. On ne mélange pas les tout. Mais c'était quoi la motivation? Quel était l'élément mis sur table pour que ces gens-là, les criminels, soient amnistiés? Très bien. Donc, je vais dire ici, Tshisekedi ne peut pas décrisper. Vous savez, pour que Mandela puisse décrisper le climat social en Afrique du Sud, il avait organisé une forme de dialogue dénommée réconciliation et paix, où les gens se sont dit des vérités. Et c'est Tshisekedi serait-il capable d'organiser une telle cérémonie où les vérités doivent être dites en face? Serait-il capable? Il va-t-il accepter qu'on lui dise en face que monsieur, vous avez volé, vous n'avez pas gagné les élections. Donc ici... Ah, il faudra être aussi en mesure de prouver qu'il a réellement volé. Premier élément qui prouve, nous avons organisé des élections avec plus de 15 000 machines entre les mains des individus. La responsabilité incombe à la CENI et non au président de la République. Il est bénéficiaire... Ce n'est pas le président qui a organisé l'élection. En fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? Tshisekedi est doublement recelé. Il est doublement recelé en 2018 et 2023, c'est ça la vérité. Parce qu'il est bénéficiaire des votes opérés par des machines volées. On avait, vous êtes journaliste, vous étiez avec vous ici. Vous avez eu à couvrir les scripteurs. On a organisé un scripteur, quatre scripteurs, un seul bulletin. Donc, le principe était, si vous ne votez pas, vous ne faites pas les quatre opérations, votre bulletin serait déclaré nil. Exactement. Donc, tous ces voleurs de machines ont voté un président de la République, un député provincial, un député national, un conseil municipal. Ok? C'est clair la logique. Très bien. Donc, Tshisekedi est bénéficiaire de ce que nous qualifions de vol électoral. Alors, est-ce que serait-il capable d'accepter qu'il avait volé? Ou si, à défaut de voler, d'être bénéficiaire de ces hold-up, il peut accepter qu'on lui dise en face que monsieur, vous êtes un receleur. Il faudra être en mesure de prouver. Mais on l'éprouve déjà parce que... Mais je viens de le démontrer, merci monsieur Hervé. On va retourner. Nous avons organisé un scripteur à un seul... une élection à quatre scripteurs, mais à un seul bulletin. Vrai ou faux? Merci. On va retourner du côté de la régie. On marque une pause, mesdames et messieurs. On va voir en image la réaction de Maître Laurent Onyemba, l'un des avocats de Salomon Idi Kalonda Dela, mais aussi le prononcé de la cour militaire qui a accordé la liberté provisoire au conseiller spécial de Moïse Katumbi. On suit et on se retrouve tout juste après. Affaire. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la défense de M. Salomon, qui s'est absolument donné pour mission de démontrer les conditions alarmantes de santé dans lesquelles il se trouvait. Et aujourd'hui, la Cour vient d'accéder à notre demande de voir M. Salomon Kalonda absolument obtenir sa liberté provisoire pour se faire soigner. Et la Cour envoie l'affaire au 3 juillet pour l'examen au fond. Et donc, nous n'avons pas de déclaration supplémentaire à faire. Nous allons devoir vous revenir, vous les amis de la presse, dans 48 heures pour vous dire quelle est l'option qui va être privilégiée par la défense de M. Salomon Kalonda et son médecin traitant. Et donc, pour l'instant, c'est un grand jour parce qu'il n'existe pas un droit de demi-victoire. Eh bien, la liberté provisoire est une décision assez importante pour la suite de cette affaire. Et donc, nous n'avons pas de commentaires à faire parce que cette liberté provisoire est assortie des conditionnalités. Et donc, nous vous remercions énormément. Pour vous, la mise de la presse, qui avez suivi avec attention cette affaire. Merci beaucoup. Vous venez de suivre Maître Laurent Guimba, l'un des avocats, et Salomon Idi Kalonda. En attendant que Clovis puisse nous préparer le deuxième élément qui se focalise sur les prononcés de la Cour, je reviens d'abord avec. Vous avez suivi Maître Laurent Onyemba.
depuis pratiquement une année, vous étiez tous en train de décrier le traitement inhumain infligé à Salomon Idikal Obadela, qui vient de retrouver la liberté. Est-ce que la justice est-elle toujours malade? La justice est toujours malade. On ne résume pas l'administration de toute une justice à un individu. Parce que Salomon a recouvré la liberté provisoire. D'abord, il faut poser la question, pourquoi provisoire? C'est ce qui démontre d'ailleurs que la justice est toujours malade. Un gars arrêté inutilement, sans raison. Je viens de démontrer toutes les raisons pour lesquelles Salomon, entre guillemets, permettait au service de la DEMIAP d'aller l'enlever au pied de l'avion à l'aéroport d'Njili, ont été effacés, jetés dans la poubelle. On met une infraction qu'un civil ne peut pas commettre, même un général. Il y a des conditions pour tomber dans cette infraction. Ça veut dire, Salomon ne devait pas, au jour d'aujourd'hui, bénéficier de la liberté provisoire, mais bénéficier plutôt de la liberté totale, même de l'acquittement. C'est ça le problème. Donc ça confirme toujours le caractère malade de notre justice. Ils sont incapables de dire le vrai droit. Parce que tous là, ils sont conscients. Au-delà de que Salomon est malade, mais ils savent que Salomon, en état civil, ne peut pas tomber sous le coup d'une telle infraction. Mais on se permet quand même d'accorder la liberté provisoire à un gars qui n'a pas commis une telle infraction et qui ne peut pas la commettre. Alors, le problème de la justice réside-t-il au niveau de la justice elle-même ou c'est la politique qui a une mainmise sur la justice au point de l'instrumentaliser? Vous revenez à ma première question au début. J'avais posé la question à Félix Tshisekedi, j'ai dit je vais continuer à poser cette question partout où je vais passer. Quand le président dit aux Congolais que la justice est malade, ok, ça veut dire il a eu le temps de diagnostiquer la justice congolaise. Il a étudié le fonctionnement de la justice. Il s'est révélé que cette justice est malade. Mais de quel malade souffrait-elle? Parce que chaque malade a un traitement spécifique. Le président doit nous dire quelle est la maladie dont souffre la justice pour qu'on organise une thérapie propre à cette maladie-là. C'est ça le vrai problème. Nous débattons la justice malade, mais qui ce soit, qui connaît la maladie? Si la maladie est ce que vous venez d'évoquer, comment on va soigner? Donc la thérapie serait maintenant de chasser les régimes, donner le pouvoir aux gens sérieux, pouvoir permettre à la maison de la vie de fonctionner bonnement, librement, ok? Très bien. Si la justice est malade, on va se battre tous, parce qu'il s'agit de notre pays, d'un élément majeur qui garde le survie de notre pays, nous allons tous y travailler au poisson comme le régime, afin que cette justice soit une bonne justice. Donc, en résumé, ce ne sont pas les magistrats qui sont mauvais, mais c'est plutôt. Non, moi, je ne sais pas aujourd'hui. Qui se sert abusivement de la justice. Je ne sais pas aujourd'hui dire, affirmer ou infirmer que la justice est malade, ou c'est les politiques qui sont malades. C'est à celui qui a le pouvoir de diagnostiquer et de réformer, de nous dire. Quelle est la maladie dont souffre la justice congolaise pour permettre à Merci Hervé de proposer une thérapie, pour permettre à M. Peter Tsiani de proposer une thérapie, à Marlevou et à tous les Congolais de mettre la main dans la pâte pour que cette justice soit guérie? Mais on nous balance tout simplement la justice est malade. Bon, après avoir dit, ton frère, prenons ça dans le cadre, un exemple banal. Tu viens, tu trouves ton frère malade. Premier élément, c'est faire le diagnostic, de le diagnostiquer. L'amener chez un médecin, on l'examine, on trouve la maladie, on cherche la thérapie définie pour cette maladie-là. Très bien. Ce n'est pas venu dire aux Congolais que la justice est malade. Mais d'ailleurs, même si c'est la justice est malade, qui devait la soigner? C'est celui qui nous annonce la maladie. Quelle est la thérapie proposée par lui-même? Il s'est limité simplement à nous dire que la justice est malade. Donc, en fait, je dirais oui, la justice est à 50% malade. L'autre 50%, c'est la politique, les politiques qui sont malades. Parce que, par exemple, lorsqu'on prend un chérubin à la Cour constitutionnelle, il y a des éléments qui sont en trajet. La faiblesse de la justice et l'injonction des politiques. Le procureur interdit tout. Non, le procureur ne peut pas nous amener dans un pays, ne peut pas nous créer une république où lui, quand il dit 1 plus égale 4, mais nous devons accepter. Ce n'est pas lui qui a payé les frais scolaires et les frais académiques pour nous.
Il ne peut pas nous créer un tel pays dont le procureur devient un roi télé. S'il dit 2 plus 2 égale 800, donc Hervé, malgré toute l'intelligence que vous possédez, vous devez dire oui. Si vous dites non, mais c'est le procureur, 2 plus 2 égale 4, donc vous tombez sous le coup de l'infraction de faux bruit. Ça, c'est quelle république? Merci beaucoup. D'autant plus, ce n'était pas une décision de la justice. Ce n'était pas une décision de la justice qu'on pouvait se réserver de commenter. Ok? Ce n'était pas une décision de la justice. C'était un rapport des enquêtes. Et c'est un rapport des enquêtes est différent d'une décision de la justice. Je mets le procureur à défi. Après, ça va tout défi, des différences entre décision de justice, arrêt à justice, condamné, mon jugement. Merci beaucoup. On va évoluer. Au plus loin, l'article 141, si ma mémoire est bonne. La justice est rendue au nom du peuple, non? Comment on peut rendre quelque chose à mon nom? Mais vous ne voulez pas que je puisse avoir un œil, un esprit regardant sur ce que vous rendez à mon nom. Merci. On va parler cette fois-ci des travaux des rénovations qui se font au niveau de l'aéroport international, ou qui doivent commencer à l'aéroport international d'Engili, des travaux qui sont confiés, ou un marché qui est confié à une entreprise turque, Milvest, je pense. Et 1 milliard 200 millions seront déboursés pour prendre en charge la réalisation de ces travaux. Et selon d'autres informations, 30 ans durant, ce sont les Turcs qui vont devoir contrôler l'aéroport international d'Engili. Est-ce que c'est une décision réfléchie de confier un domaine de souveraineté à des étrangers, sachant que nous sommes un pays déjà agressé? Quand j'avais dit sur un plateau que les gens à exécuter, ce sont des Bemba, des Tshisekedi, pour voir vraiment que le moratoire est élevé. Ce sont des actes comme ça. Il y a des endroits où on ne cède pas. Il y a des endroits où on ne cède pas, particulièrement des frontières. N'est-ce pas, l'aéroport d'Engili est une frontière? C'est l'unique entrée principale de la République démocratique du Congo. En dépit des aéroports tels que les Luano, Lubumbashi, Lualaba, de Goma. Mais l'aéroport principal de la République démocratique du Congo, c'est l'aéroport d'Engili. Donc, vous cédez l'aéroport d'Engili, vous cédez l'entrée principale de votre pays à des gens que vous ne maîtrisez pas. Vous savez, nous commettons des erreurs, après nous allons lever le moratoire sur la peine de mort. Alors, ceux qui commettent ces erreurs, ce sont eux qui vont aller décider de lever des moratoires. Je passe sur Bandalungwa. Le plus grand camp de la République démocratique du Congo, c'est le camp Kokolo, la base logistique. Allez voir comment est-ce qu'on est en train de construire un étage vendu dans l'enceinte même de ces camps militaires. Il y a des particuliers qui commencent à acheter au camp militaire ou des civils? Des civils, l'État a vendu. Allez voir, sur l'avenir de la libération, ex-24 novembre, il y a le bâtiment du ministère de la Défense. Mm-hmm. Mais vous ne voyez pas des immeubles derrière. Ceux qui vont habiter là, qui vont les contrôler, pendant qu'il y a une base logistique, est-ce que nous facilitons l'espionnage? Ou nous ne le facilitons pas. Parce que ceux qui vont habiter là, personne ne va on ne va pas les contrôler. C'est-à-dire, nous sommes nous-mêmes les créateurs de nos propres problèmes. Donc, vous achetez les armes, ça entre au camp Kokolo. Et même l'état-major général de l'armée, c'est au camp Kokolo. Mais vous vendez aux alentours de ces camps. À des civils. À des civils. Vous allez dans des camps militaires, des militaires font louer des maisons dans des camps. Il y a des civils qui habitent les camps. C'est-à-dire, moi, je suis militaire, je ne veux pas habiter les camps. Je construis une maison, l'État me donne une maison. Je prends mes CRV qui est civil, je deviens bailleur. Tous ces civils qui louent des maisons dans des camps militaires, qui le maîtrise? Qui le maîtrise? Mais cela se passe devant tout le monde. Les autorités sont là. Les chefs d'état-major qui crient chaque jour, il y a l'infiltration. Ils sont là, ils voient.
Ils sont là. Le mal de nos dirigeants, ils n'ont jamais été prévoyants. Ils n'ont jamais été là où ils devaient être. Ils n'ont jamais agi dans le sens de faire avancer la société. Parce que le pouvoir politique a deux missions principales. Ça veut dire qu'il a plusieurs travaux, mais résumé dans deux missions. La première des missions, c'est la sécurité du territoire que vous dirigez, vous exercez le pouvoir. Donc, quand vous sécurisez les territoires, vous sécurisez le peuple. Deuxième mission, c'est l'avancement social de la société. Dans le social, il y a les voies de communication, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a tout. Est-ce que c'est l'argent qui a monté au gouvernement au point d'accepter l'offre de cette entreprise turque évaluée à 1 milliard 200 millions ou c'est peut-être justement ce désir du président de la République et du gouvernement de coopérer ou de collaborer avec d'autres pays? Je vous dis que tu serais va nous laisser dans un état où celui qui va les succéder aura du mal à s'en sortir. Déjà, il a mis très mal, il va mettre très mal à l'aise ses successeurs sur deux projets, de gratuité, la gratuité de la maternité et la gratuité de l'enseignement. Celui qui va les remplacer sera obligé d'aller toujours plaire à l'extérieur pour financer ces deux projets. Parce que les Congolais ne vont plus accepter que cela soit levé. Or, c'est une mauvaise décision qui a encore mis à genoux le système éducatif du Congo. OK? L'État n'a pas de moyens, on n'a pas une économie assise. Mais on décrète quelque chose pour pousser l'État à devenir plus endetté qu'avant. Parce qu'il faut dire aux Congolais, tout ce que vous attendez comme dons, ce ne sont pas des dons, ce sont des dettes à long terme. OK? Vous prenez la gratuité de la maternité. Par exemple, à Boma. À Boma, au Congo central. À l'hôpital de référence de Boma, on paye 10 000 francs pour... On paye 10 000 francs au corps médical pour le compte de la gratuité de maternité. Donc, il n'y a pas l'argent. Les groupes Milvest, ils ne sont pas dans le premier coup. Dans leur premier coup. Le centre financier. L'État n'a pas d'action là. Ah, c'est toujours la même entreprise. La même entreprise. Qui va diriger les centres financiers. L'État n'a pas d'action. 30 ou 40 ans. Appelle tout celui que vous voulez. Même Félix Tshisekedi. Je suis désolé que Félix a organisé un point de presse devant les journalistes et personne n'a posé cette question. Raison pour laquelle Tshisekedi prend des accords et des traités secrets. Tout ça ne s'en a jamais été publié. Vous vous souvenez de l'accord sur l'or congolais avec le Rwanda? Ça n'a jamais été débattu à l'Assemblée nationale ni publié au journal officiel. OK? L'État congolais n'est pas actionnaire. Donc, on ne nous dit pas pendant combien de temps ces gens-là vont exploiter. Donc, le ministère des Finances et des Budgets vont être locataires de cette entreprise. Non, mais c'est pour 30 ans, je pense. Mais justement, comment l'État peut construire pour devenir locataire? Non, c'est les étrangers qui ont construit et ils vont occuper cet endroit pendant 30 ans. Et après, le Congo deviendra propriétaire. Imaginez-vous ces bâtiments-là. Coûterait combien à l'État congolais? Je ne passe même pas 300 millions de dollars. Ce sont des sommes qui sont détournées matin, midi, soir. Ce sont des sommes détournées matin, midi, soir aux yeux aussi de tout le monde. Pour ça, vous allez rendre l'État locataire dans son propre territoire. C'est ça la gravité. Quand l'État, le Léviathan, l'organisateur de la société, le propriétaire, le sol et le sous-sol lui appartient, devient locataire. Et si vous comprenez ce que ça signifie. Ça, c'est le pouvoir, tu sais, qui est de Bemba. La même entreprise, Milvest, ce sont eux qui ont le marché de ces palais de sport qui est en train d'être construit au stade de Marathi. Ok. Là aussi, on ne dit pas ils vont gérer pendant combien de temps. Parce que là aussi, l'État n'est pas actionnaire. Prenez le ministre Kaboul, mettez-le ici, posez-lui la question, qu'il brandisse les documents, les accords signés. Simple, lui, le ministre.
et son autorité, qui ne nous amène pas dans les discours, qui nous amène simplement des documents, des accords signés entre ces deux entreprises. Entre l'entreprise, dans le cadre de partenariat public-privé, qu'on nous montre les partenariats. Il n'y en a pas. Petit à petit, l'État est en train de céder ses propriétés. L'État n'est plus propriétaire du sol et de des sous-sols. C'est la même entreprise Milvest qui a la charge de rénover la foire internationale de Kigali. Tous les conteneurs que vous voyez là, ce sont ces tirs qui l'ont amené. Là, au moins j'ai les éléments, ils vont gérer pendant 45 ans. La République est en train d'être bradée devant nous. Vous comprenez, la République est en train d'être... Même la rénovation qu'on crie à l'aéroport des lois là-bas est bradée pour 30 ans. Je me pose la question, pendant 40-50 ans, qu'est-ce que les Congolais vont gérer? Vous avez vu la réaction de la Chine. La Chine avait empêché les avions, que les avions atterrissent à l'aéroport de Kampala à cause de ce genre de contrats. Et ces contrats, dans la même politique, comme Museveni, ces contrats n'ont jamais été rendus publics. Vous êtes journaliste et vous le savez. Si Tshisekedi n'est pas au pouvoir, si on nous brandit un faux contrat, personne ne sait défendre. Parce que tous ces contrats ne sont pas publiés dans le journal officiel. C'est ça d'abord le danger que court la République. Donc demain, M. Hervé Itô, ma Premier ministre, un débat soulevé sur cette question, vous ne serez pas défendre parce qu'il n'y a aucun accord écrit, publié, parce que notre ligne, ou notre bibliothèque générale, ou archive générale, c'est le journal officiel. Lorsque des contrats pareils qui tiennent à la vie de la nation ne sont pas publiés au journal officiel, non débattés à l'Assemblée nationale, et réellement tu sais que nous n'avons pas de députés, nous avons des robots députés, parce que si réellement j'étais député, ils devaient revendiquer. Ok? Parce qu'ils représentent entre guillemets le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Ils devaient revendiquer, monsieur le président, ça ne se passe pas comme ça. Vous signez des contrats à 50 ans, à 60 ans, vous ne serez plus là. Parce qu'à 50 ans, Tshisekedi, je ne dis pas qu'il va mourir demain ou après-demain. Dieu seul garde la vie et maître des souffles de vie. Mais Tshisekedi a 60 ans aujourd'hui. Ok? L'expérience de vie en Afrique montre que Tshisekedi, si on prend ça, ça dit qu'il n'a plus 30, 35 ans de vie. Par rapport à l'expérience de vie en Afrique, je ne dis pas qu'il va mourir. Alors, si demain n'est plus en vie, il n'est plus à vie, qui va débattre de cette affaire. Au moins, Kabila avait laissé les contrats chinois. Ça a été débattu à l'Assemblée nationale. Même lorsque ces fameux contrats chinois ont été révisés, est-ce que les décisions prises ont été débattues à l'Assemblée nationale? Est-ce parce que nous avons une Assemblée nationale faible ou non, pas parce faible. Que nous avons des députés qui sont peut-être préoccupés par autre chose pas, que la pas, République. On n'a pas une assemblée nationale faible, mais nous n'avons pas une Assemblée nationale. Heureusement, des gens comme de Christian Mwando, les autres, ont effectué leur entrée. On va voir ce qu'ils vont donner. Parce que, au regard de tout ce que nous venons de mettre sur cette table, vous remarquerez que la République est bradée. Et les élites du peuple, entre guillemets, ceux qui représentent le peuple, sont restés muets. Pouvez-vous comprendre que des députés ont effectué une enquête parlementaire à Bukangalonzo? Ils ont fait un rapport que les 500 hectares de Bukangalonzo ont été vendus aux Canadiens pour faire la culture de cannabis colonne à Diamba. Est-ce que vous avez vu des députés organiser une plénière sur cette question? C'est le régime Tshisekedi. Je voulais rappeler à Félix Kayembe. L'autre fois, il disait, Daniel Safa, Melara Diamba. Mais qui font la culture de Diamba? Aujourd'hui, qui cultive le cannabis, Balani Bazolo na Bangi, Namboko Diamba? C'est l'union sacrée. L'homme produit ce qu'il aime. L'homme produit ce qu'il aime. Mon cher, si vous n'avez pas l'avocat, vous n'allez pas planter l'avocatier chez vous. Parce que vous n'allez rien bénéficier de cet arbre. L'union sacrée a accepté la clôture à Diamba, Balon à Diamba, na place à Bamassangou, na Bukangalonzo. 500 hectares.
Mais vous allez voir le même personne de l'Union Sacrée venir dire, telle la Melaradia, ma mère qui facilite ces gens-là à prendre la chanvre. Très bien. On va mais terminer l'émission. On ne s'est pas limité là. Maintenant, l'aéroport d'Engil, un endroit sensible, très sensible pour la République. C'est que ces gens-là, avec l'avancée technologique, c'est que ces gens-là vont mettre là, dans un pays où tout le monde presque est illettré électronique. Est-ce qu'on sera en mesure de contrôler tout ça? Mais déjà, ceux qui sont faciles à contrôler, on n'arrive pas à contrôler. Numériser simplement. Hein? L'administration publique, nous sommes incapables. Et contrôler ça. Vous savez, un Américain ne peut pas céder la construction de son aéroport aux Saoudiens ou à qui que ce soit. Il peut céder la construction des immeubles, hein? Pas ça. Je vous dis, ce sont que les Africains qui font ça. C'est là que nous sommes toujours contrôlés. Parce que ce que ces gens-là implantent dans les infrastructures qui sont en train de nous construire, ce qui leur permet d'avoir des informations, personne ne se rend compte de ça. C'est trop dangereux. Mais comment ils vont gérer cet aéroport pendant 30 ans? Dans un contexte de guerre, dans un contexte d'agression, est-ce que c'était réfléchi? C'est irréfléchi. Est-ce que c'est opportun de céder le contrôle de notre aéroport à des étrangers? Dans un état à guerre. Déjà, je vais dire aux Congolais que le Congo n'a jamais été en guerre. Le Congo n'est pas en guerre. Si on était en guerre, le président allait respecter la constitution à déclarer une guerre. Ça allait permettre au président de prendre des décisions conformément à un état de guerre. On n'est pas en guerre. Je mets tout le monde à défi de me montrer l'ordonnance déclarant la guerre pour dire que nous sommes en guerre. Donc, je vais vous donner un exemple. Qu'on pouvait construire. Rapidement. On pouvait construire l'aéroport d'Engili sans brader. On pouvait construire les centres financiers sans bradage. On pouvait construire tout ce que nous venons de citer sans bradage. La ville de Kinshasa a 1 600 000 motos, chiffre officiel. Chaque moto achète l'autorisation de transport à 28 000 francs. Que les téléspectateurs fassent les calculs. Hein. Vous pouvez nous envoyer les résultats de vos calculs en commentaire. 1 600 000 motos. Chaque moto achète une autorisation de transport à 28 000 francs. Donc il faut faire 28 000 francs fois 1 600 000. Le montant que vous allez trouver en francs, convertissez-les en dollars. Vous allez voir les chiffres. Le même montant, les 1 600 000 motos achètent encore le fiche d'identification à 15 000 francs. Faites encore 15 000 francs, fois 1 600 000, convertissez le montant en francs, en dollars, écrivez-nous. Chaque moto par jour, journalièrement, paye 500 francs. Quand vous prenez 1 600 000 motos, multiplié par 500, ça fait 800 millions de francs congolais les jours. Qui gère ces fonds? Quand vous convertissez par rapport au taux du jour, ça fait 2 962 000 dollars les jours. Et cela pendant 3 ans et 8 mois. Vous voyez que on pouvait construire cet aéroport, les centres financiers, l'argent est là. Je prends un simple secteur que tout le monde ne pouvait pas faire attention. Merci beaucoup. On va terminer cette émission très rapidement. Votre commentaire sur le travail réalisé par l'informateur, il est passé formateur, Augustin Kabuya, il a bouclé complètement son travail. Et il va déposer dans les prochaines heures son rapport final sur la table du chef de l'État, question de permettre au président de nommer déjà le prochain Premier ministre. Est-ce que vous pensez que le travail réalisé par Augustin Kabuya peut facilement aider le chef de l'État à dénicher cet oiseau rare capable de conduire à bon port le gouvernement? Déjà, pour trouver un oiseau rare, il faut avoir une vision. Or, ce n'est pas le cas avec Tshisekedi. Au regard de tout ce que nous avons évoqué, il y a des pistes et des solutions. Lui est en train de brader la République. Nous avons oublié le marché central qui est construit par Sophie Bank. La Sophie Bank va gérer
c'est marché pendant 35 ans. Vous avez l'hôpital qui est en train d'être construit à côté de l'hôpital Alassien, l'hôpital de référence de Gichas Ex-Mamaim. Cet hôpital va être géré par un Indien pendant 25 ans. Donc, en fait, Tshisekedi ne construit rien, mais il est en train de brader la République. OK? Donc, déjà, il n'y a pas de vision. Regardez ce que nous venons d'évoquer. Donc, celui qui va venir, qu'il soit intelligent ou pas, il va se retrouver devant une réalité qui va l'empêcher de mettre en place son intelligence et de permettre à ce que les choses évoluent dans le bon. Surtout que il va travailler sous l'impulsion, sous la vision du président de la République. Or, celui qui va transmettre la vision, déjà, n'est pas porteur d'une vision. Donc, vous voyez, vous, le problème. Parce que quand vous prenez tous les gardes de l'Union sacrée, vous leur posez une simple question. Quelle est la vision du président de la République que vous prétendez défendre? S'ils sont à 10, vous aurez 10 visions. Merci beaucoup. Le président va au stade de Marty, donne ses axes prioritaires. Quand vous lisez ces 6 axes prioritaires, vous faites des analyses, vous dites qu'il y a un vide intellectuel au sein de l'Union sacrée. Donc il y a un problème. Et la personne qui va être nommée premier ministre sortira de ce vide intellectuel. Par exemple, lorsque le président dit qu'il va stabiliser le pouvoir d'achat des Congolais. Or, la rhétorique voulue en politique, c'est l'amélioration. Parce qu'un président qui vous dit stabiliser, qui cherche à vous stabiliser, ça dit qu'il n'a pas de vision. On prend le pouvoir pour améliorer les conditions. L'émission est terminée. Grand merci à vous. C'est à moi de vous dire merci. Pour votre disponibilité, vous êtes très permanent pour la République, et un peu comme Yves Bouya. Merci beaucoup. Je l'ai sali à partir de là où il est. Il est à Paris, le Michelis. Je sais. Très bien. Ça n'est fini. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. Un grand merci à toute l'équipe technique. On se retrouve demain vendredi pour boucler la semaine. À toutes et à tous, bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.